Salut à tous les gamers, Grogne 7 aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une vidéo sur Paladin avec Kinessa et le skin rare que j'ai qui est Cutthroat. Alors on va savoir que, voilà, faut savoir que le deck que j'ai c'est le deck de base. Son arme c'est quoi? C'est une arme d'air et boum, en clic droit, tu sais passer au sniper. Ça te rappelle pas Fatal sur Overwatch? Regarde quand ça charge le shoot. Tu vois ce que je vais dire? Ensuite t'as la touche F qui te permet de te téléporter avec une sorte de mini oiseau qui est trop stylé. C'est une téléportation franchement grave stylée, je surkiffe. Ensuite tu as la mage. Voilà, c'est une sorte de grenade comme ça mais qui explose. C'est comme une mine détonatrice si tu veux. Et là on est en charge explosive. Les amis, on va aborder aujourd'hui la notion de plaisir sur les jeux. Faut-il qu'un jeu soit obligatoirement... comment t'expliquer ça? Ah oui, je dois d'abord vous dire un truc, c'est que n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour... Ok. Moi, ce que je vais faire, tu sais, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de sniper, mon pote. Je tiens à m'excuser, les gars, parce que mon shoot, il est pas encore parfait. J'ai juste fait deux games avant ça, et encore, parce que c'était des games qui étaient limite expéditifs, tu vois. Du coup, le shoot n'est pas parfait. Je vais en profiter, tiens, pour jouer ce personnage, qui n'est autre que Kinessa. J'avais envie, tu vois, ça ressemble carrément à... Donc, je te disais, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour pouvoir justement, tester le jeu. Voilà, parfait. J'ai mis la mine derrière eux. Oui, premier kill. Ça, c'est bon, ça. Il va tanker combien de damage avant de céder son boubou? Tu sais pas, ça? Oui! Allez, c'est parti. On reprend. Tu veux sniper avec moi, Casey? Ramène-toi, bébé. Allez. Point de contrôle atteint, ça c'est bien. Et je te disais, franchement, faut-il qu'un jeu soit super bien fait au niveau graphisme ou au niveau gameplay, ou c'est un tout? Donc les voix des personnages, les modes de jeu, la connexion, la stabilité des serveurs et tout. Parce que moi je vais pas te mentir, ce paladin, et je vous dis pas ça juste comme ça. Il faut savoir une chose, les amis, franchement, c'est que ce paladin, c'est pour moi un défouloir. Quand les autres jeux auxquels je joue de manière générale me saoulent, j'hésite pas à venir faire une petite game sur Paladin, tu vois. Allez. Tu vois, elle a pété la... Tu vois mon ulti qui est à 81% là? Bientôt, mon pote. Allez. Ouf. J'aurais grave voulu la sniper, là. On fait progresser le bordel. Et je pense que je vous ferai une deuxième game si jamais on évolue trop vite. Parce que parfois, on tombe sur des alliés qui sont bons. Mais en solo, comme dans tous les jeux MOBA FPS... Franchement, si vous tombez sur des alliés parfois qui font n'importe quoi ou qui jouent pour leur gueule, c'est juste hardcore. Et cette fameuse notion de plaisir, franchement, moi parfois je la retrouve sur ce genre de jeu comme ça. Est-ce peut-être parce que je suis noob? Je dirais pas forcément que je suis noob en termes de capacité de jeu, mais en termes de, voilà, tu découvres un jeu, etc. Et du coup, tu prends du plaisir. Alors que sur d'autres jeux, genre, je les ai tellement cramés, j'ai déjà un peu tout fait dessus, et c'est en l'occurrence le cas, hein, pour les Call of Duty, etc. Vous me connaissez d'ailleurs pour ça. Que voilà, j'éprouve moins de plaisir. Tu vois, j'aurais adoré le sniper lui. C'est dommage parce que j'ai fait une game l'autre fois sans vouloir faire une vidéo. Oh bah voilà, tiens, boum, élimination. Qu'est-ce qui se passe? Je te disais, j'ai fait un nombre, mais franchement, mais je vais pas dire incroyable de kill au snipe avec Kinessa. Et je joue, malgré que je sois un personnage DPS, un damage, donc à dégâts, je la joue pas mal de manière... expliquer ça. Ah, j'ai été métamorphosé. C'était quoi cette merde, putain? Je le laisserai pas s'en aller. Ah non, 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 c'est mal me connaître. C'est mal me connaître. On lui met une mine derrière, il va pas s'en rendre compte. Ah, ouh, le headshot. Ouh. Vite, vite, attends, je me fais ralentir là. Ah, il m'a eu mes victoires, les amis. C'est une game qui est peut-être un peu trop courte. Je vais enchaîner avec les highlights de la deuxième game et on va continuer notre sujet. C'est parti. J'ai fait du 7 à 1. On enchaîne avec la deuxième game, c'est parti. Boum, j'ai débloqué, les amis. Le Viking, cette fois-ci, on va la jouer comme ça en Viking. Et let's go, c'est parti. Let's go. On va encore escorter. Boum, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense que je prends de la hauteur avec mon snipe. Cette fois-ci, les gars, vous l'avez vu, hein, j'ai mon... casque viking.
Boum, on l'enchaîne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a pris mon heal. Il a pris mon heal, le vilain. Tu vois, boum, qu'est-ce qui se passe? Je récupère 544 seulement PV. Je m'attendais quand même à plus, c'est pas grave. Là, ce que je veux faire, voilà, j'ai lancé la mine ici pour éviter justement qu'elle puisse flank. Allez, boum, qu'est-ce que tu vas faire? Et je récupère le heal. Non, 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 je sors de la zone. Je lance la mine là. Je me demande par où ils vont arriver. On peut pas arriver au checkpoint. Ça c'est vraiment relou, ça, tu vois. Je sais pas si elles sont encore là ou pas. Boum. Allez, qu'est-ce qui se passe, là? N'approchez pas. Trop, trop stylé. Franchement, c'est un truc de fou. Et je vous disais, hein. Est-ce que c'est le fait que, voilà, joueur tué x3, ça c'est bien, ça, ça veut dire que je suis en petit strike. Je disais, c'est... Je les enchaîne. Franchement, ça c'est bon, ça c'est bon, les gars. Teamplay ici. Ah non, je suis étourdi, frère, je suis étourdi. Heureusement que j'ai pas été snipé ou quoi. Je disais, est-ce que c'est parce que, voilà, j'ai peut-être pas encore énormément de temps de jeu dessus que je prends encore plaisir de ouf. Boum, coup de snipe, c'est mon 5e kill d'affilée au passage, toujours à 2000 PV. J'aime ça. La notion de plaisir, comment vous la définissez, les gars? Est-ce qu'il faut que le jeu soit un tout? Est-ce que... Purée, je suis en série de 6, là. C'est vraiment de la folie, je te jure. C'est vraiment de la folie. Boum, je suis en série de 7. Oh là là, je suis en train de vous faire une C-game. Mais c'est un truc de fou. Et franchement, les gars, je sais pas ce que vous attendez pour tester, parfois, et sortir de votre cocon. C'est pour ça que je diversifie autant, aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est, il y a des gens, ils me disent... Ouh, je lui fais un quickscope ultra énervé, man. Ultra énervé, je te jure que c'est vrai. Par contre, là, j'ai besoin de heal. On est en train d'avancer. J'ai lancé une mine par ici. Voilà. Est-ce que la mine, tu penses, va leur faire du mal ou quoi? Empoisonné. Point de contrôle atteint. Nice. Nice. Non, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Et j'ai pas eu l'occasion encore de vous montrer mon ulti. Je vais vous la montrer maintenant. Let's go. Alors concrètement, oh non, voilà, je viens d'utiliser mon ulti et je savais pas que c'était une sorte de lock, un peu comme Soldier 76 sur Overwatch. Vous connaissez tous, hein, il lock ses adversaires, après tu tires comme ça, un peu à la va-vite et tu les tues vite. Malheureusement, voilà, ça c'était mon ulti. Au moins je vous le représentais avec son magnifique chapeau de viking, son casque des vikings. On va retourner en deuxième ligne et on va les sniper, moi je te le dis, c'est pas là-bas mon pote. Il me laisse pas passer, par contre il y a du heal ici. Merci, merci, merci. Oh là là, le Drogo, qu'est-ce que je lui ai fait? C'était vraiment infâme. Il me reste 200 PV. Ça par contre, je sais pas où aller pour me heal. PV. Ah! Tu vois, elle a utilisé sa dissimulation, elle m'a tué, bien joué. Regarde, elle a utilisé sa dissimulation. C'est un personnage que je vais sûrement vous présenter, Sky, les amis. Allez, boum! T'as cru que t'allais échapper? Moi, je te tends des pièges et tout. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Enchaîne dans les airs, qu'est-ce qui se passe? Victor, 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 je serai victorieux et non toi. Allez Yacine, faut gagner. Oui, la petite mine. Oui, très très bien. Allez, escortez. Oui, oh non, j'y crois pas. J'ai la rage. On a fini par perdre, les gars, cette deuxième game. Mais franchement, la game était là. J'ai fait une série de 9 au final. Donnez-moi votre notion du plaisir sur un jeu. Les amis, ça m'intéresse vraiment. Mille merci à tous ceux qui mettent un petit pouce bleu. Je m'applique aussi au niveau de la qualité, etc. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous ai proposé un 19-5 avec 33 000 de DPS. Franchement, je trouve que c'est quand même réglo, hein.
pour une deuxième game de journée ou une troisième game de journée. C'était Grony. Essayez le jeu si vous voulez ou non, bien entendu, vous n'êtes forcé à rien. Le lien est dans la description. Portez-vous bien. Bye bye YouTube.